Au moins 23 personnes ont été tuées et près de 70 autres blessées, après l'effondrement d'un pont du métro aérien, a annoncé le service de gestion des risques et de la protection civile de Mexico. L'accident est survenu lundi 3 mai 2021 vers 22h au passage d'une rame dans le district de Iztapalapa. La rame de métro s'est littéralement brisée en deux dans la chute du pont en béton, selon une description d'un photographe de l'AFP arrivé sur les lieux. Des pans entiers du pont jonchaient la route au-dessus duquel la structure était suspendue avant de s'effondrer pour des raisons encore inconnues.